Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de FFBE. On s'était donc laissé avant d'aller rejoindre Reagan et les 5 jurés. Pour voir s'ils ont réussi à avancer ou se sont fait botter le train, comme je le pense. Allez, c'est parti. N'oubliez pas, bien entendu, de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu qui fait du bien, mais également la cloche de notification, afin d'être prévenu quand sortions les prochains épisodes, au moins par jour. Io de l'étoile Delta. Magie blanche. Limite. Ok. Ça, c'est faisable. Normalement. Ouh, un contrat. Ils sont très forts. Comment font-ils pour anticiper toutes nos attaques? Voilà donc ce que ça fait d'être une relique du passé. Mère est à terre. Mère! Mon sang! C'est pas vrai. On est complètement impuissant. J'avais dit qu'il se faisait botter le cul. Hein. Prépare-toi. Reagan. J'ai lu bien des choses sur toi dans les livres d'histoire d'Aldor. Aujourd'hui encore, le peuple te considère comme un héros. Moi, un héros. Les historiens ont toujours tendance à prendre quelques libertés. Les héros doivent mourir en héros, sans laisser une seule tache sur leur noble passé. Permets-moi de procéder personnellement à tes obsèques. Libre à toi d'essayer. Comme les temps ont changé, nous sommes l'expression de la volonté du peuple d'Aldor. Cette puissance, j'ai comme l'impression de l'avoir déjà. Non, ce n'est pas le moment de penser à ça. Nous devons nous débarrasser de ce type et tout, ou tout est fini. Bon, on va faire la magie blanche comme ça, ça fait. Merci. On va tester, hein. Je sais pas si sa protection le protégera en fait au tour 1. Non, ça va. C'est passé. Reagan, tu mérites amplement ton titre de héros. Je suis impressionné de te voir encore debout. Ton honneur de chevalier est bien réel. Pour chaque coup d'épée que tu m'as donné, je t'en ai rendu un plus puissant encore. Par conséquent, tes blessures sont bien plus profondes que les miennes. Reagan, la victoire me revient. Pas d'aise. Reagan, je ne peux pas perdre. Oh. C'est impossible. Incroyable. Les 6 jurés battus à plate couture. C'est la fin. Reagan.
Corps de travail extérieur. J'avais dit qu'il serait battable à la couture. Ça m'aurait étonné qu'il puisse avancer, affronter l'ordre alors que nous on a eu des difficultés avec le 15e. Ray n'était pas ici finalement. Non, en effet. Rain, où te caches-tu? Quand te reverrai-je enfin? Harry. Pardon. Tu as les oreilles bouchées? Je t'ai dit de rire. C'est une mauvaise plaisanterie. Ou comment je suis censé rire sur commande? C'est toi qui plaisante, j'espère. Aurais-tu déjà oublié que les ordres de ton maître sont indiscutables? Ris ou notre marché prend fin. Ah. Maintenant, ris. Plus fort que ça. Ça me rappelle FF10 où il y a Tidus qui se force à rire. Ton rire est répugnant à la Swell. C'est vous qui me l'avez ordonné. J'imagine que c'est inéluctable. Seul un rire pathétique pour sortir de la bouche de guerrier pathétique. Bon, j'ai compris, puisque vous insistez. La Swell? Akstar, épargnez-le, je vous en supplie. Je ne supporte pas de le voir ainsi. La Swell, je t'autorise à arrêter. Tu peux remercier Fina. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, n'importe qui est capable de faire la grimace. En revanche, la Swell. Cela demande de la force de rire au nez de la souffrance. Plus la situation désespérée, plus tu dois être imperturbable, même si ce n'est qu'en apparence. Tu ferais bien de mémoriser ces quelques paroles de sagesse de ton maître. J'ai cru entendre quelqu'un à rire. Aurait-il une bonne nouvelle? Non, ce n'était rien. Rien du tout. Oublie. Dites-moi plutôt, avez-vous découvert quelque chose d'intéressant? Que dalle. Aucun des prisonniers n'a voulu parler. Et même quand il parlait, c'était pour dire « Je ne veux pas mourir ». On ne peut pas leur en vouloir, mais bon. Tout au plus, avons-nous appris l'existence d'un site d'exécution pour les membres de la résistance, non loin d'ici. Si Ren est passé dans le coin, il est peut-être rendu là-bas. Ça peut être rendu là-bas. C'est vrai. Ce serait bien son genre d'être révolté par un truc aussi horrible. Alors, c'est décidé. Notre prochaine destination sera un site d'exécution. Toutefois, le voyage s'annonce semé d'embûches. À présent que nous avons vaincu un membre de l'ordre, des poursuivants pourraient surgir d'un instant à l'autre. Quelle galère! À qui la faute, je vous le demande! Inutile de me regarder. C'est vous qui avez vaincu l'étoile Omicron. Je n'ai fait qu'assonner le coup de grâce. C'est justement le coup de grâce le problème. Que veux-tu dire par là? Je ne te suis pas. Ne te fatigue pas, Alid. Les personnes âgées peuvent être têtues comme des mules. Elles refusent obstinément d'admettre leurs erreurs. Ah, venant d'un fossile de 750 ans, c'est le comble. Pardon? Je n'ai que 700 ans, je vous signale. Vous pouvez vous garder les 50 autres. Mais au fait, comment? Connaissez-vous mon âge? Je vous ai posé une question. Répondez. Et on répond à une dame. On ne rigole jamais avec son âge. La Swell, tu as remarqué toi aussi? Bien sûr. Tu parles du conseil du maître, n'est-ce pas? Rire quand on souffre. Plus désespéré la situation, plus imperturbable il faut se montrer. Rain était comme ça lui aussi. Oui,
Durant nos combats contre les vérités à ses seuls, l'optimiste de Rennes m'a encouragé plus d'une fois. Deviens un homme qui redonne courage à ses compagnons. Voilà sans doute ce que le maître essaie de me dire. Oui, c'est aussi ce que je pense. Incroyable. Ce vieux maître n'est peut-être pas aussi fou qu'il en a l'air, tout compte fait. J'en suis bien d'accord. Même si son caractère exécrable a le don de me pousser à bout. Pour ce point, je préfère m'abstenir de tout commentaire. Terre désolée, sans nom. Vent sec. Rien de particulier. Ok. Tu ne t'échapperas pas cette fois, Akstar. Comment peux-tu savoir que j'ai 700 ans? Eh oh. Ah merde, j'ai pas vu, désolé. Bon, peut-être. Mais malgré tout, comment peux-tu être sûr que je te dis la vérité vu mon apparence? Ce n'est pas si exceptionnel à pas dire, tu sais. Tu as sans doute raison, mais tout de même, ça fait un choc. Je continue en fait. J'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que je dois faire moi? Continuer. Ah, techniquement parlant, là, avec Regan, héros de guerre et Akstar, dragon éveillé, enfin, avec Regan et Akstar, bon, on a littéralement les deux maîtres, enfin, en tout cas qu'on connaît à l'heure actuelle, de la Swell. Hein. J'ai même pas fait attention que j'avais encore Fina. Sable volant. Dégâts de foudre. Magie de focus. Ok. Et au moins deux fois. Voilà, objectif réalisé. Végétation flétrie. Magie noire, limite et rien d'autre. Ok, ça va. Enfin, bon, passons. Au sujet du corps de travail et de la prison que nous recherchons. Qu'y a-t-il? Lors de la guerre entre Aldor et As, ce genre d'endroit n'était pas si rare. Quelle tristesse, les choses chantent vraiment en mal.
ça c'est fait, c'est bon, parfait. Lumière resplendissante. Pas de limite, par contre 3 fois la magie ou plus. Ok, ça va. Easy peasy. Objectif réalisé. Oh, on m'a le boss. Zaru Potence. Ce sera donc le prochain niveau lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu qui fait du bien, mais également à la cloche de notification afin d'être prévenu quand sortiront les futurs épisodes. Au moins par jour. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous, c'est extrêmement important. À la prochaine, bye!